She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme je vous avais dit à mes dernières vidéos, franchement, je vous l'avais confirmé. Voilà, à votre santé, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À votre santé déjà pour commencer la vidéo, bien sûr. C'est du jus de pomme, hein, c'est pas du champonnier, désolé. Voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, les amis. Comme je vous avais bien dit, que Le Pen ne peut pas passer. Voilà, je vais vous dire les raisons pourquoi Le Pen ne peut pas passer. Parce qu'il faut quand même que je vous dise les raisons quand même pourquoi Le Pen ne peut pas passer, Madame Marine Le Pen ne peut pas passer. Pourquoi, déjà un, au débat, c'était, si vous avez regardé le débat, jusque là nous attendons, on attend tous Monsieur Macron qui va parler, faire son petit discours. Si vous avez vu le débat, Le Pen a vraiment, Madame Marine Le Pen était vraiment à la rue. Quand je dis à la rue, elle ne savait pas sur ses mots, elle se perdait sur ses mots. Et Le Pen qui était en train de... Madame Marine Le Pen, excusez-moi, était en train de se perdre dans ses discours. Elle se perdait dans ses discours et elle n'arrivait pas à gérer. Quant à Macron, il était super confiant. Super confiant et puis il parlait bien. Il la regardait et il n'était pas déstabilisé. Et il a parlé proprement. Il a dit des choses qui ne peuvent pas se faire en France, etc. Comme le voile, interdire le voile aux Français, etc. Aux musulmans, etc. Plein de trucs, et c'était impossible, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Elle n'a pas pu s'acheter, du coup, elle s'est tellement perdue dans ses mots que voilà le résultat. Et bien là, aujourd'hui, avec, je ne sais pas si vous allez voir en bas de la vidéo, c'est marqué 58% pour Macron, comme vous avez vu, et puis 42% pour Marine Le Pen. Évidemment, vous voyez bien que dans le débat, ça n'a pas marché. Et puis, il y a aussi un truc qui ne faisait que ça ne peut pas se faire aussi. Il y avait trop de choses que Marine Le Pen a dit qui tournait pas rond, en fait. Qui était inutile, qui ne peut pas marcher. Et puis, du coup, cela fait que le résultat du débat était vraiment parti Macron. Était vraiment gagnant. On voyait qu'il était vraiment gagnant dans le débat. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont voté pour une personne qu'ils ont compris un peu plus ce que la personne pouvait dire, même si Macron, il y a des choses qui ne sont pas très bien et des choses qui sont moins bien et des choses qui sont hyper bien, on va dire quand même assez mieux. C'est un peu plus compréhensif, enfin, on comprend un peu mieux ce que veut dire Macron, etc., sur certains trucs. Du coup, ceux qui ont bien regardé le débat ont compris et donc ont dû bien voter pour faire un barrage aussi à Le Pen et surtout ceux qui voulaient voter Mélenchon ou bien Zemmour, etc. Certains qui ont voté Mélenchon ont fait barrage à Marine Le Pen. Voilà. Et le racisme en France, ça n'a pas sa place, le racisme. Tout ce qui est racisme, être divisé et tout, ça n'a pas sa place en France. Puis voilà, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, puisque je vous l'avais confirmé dans mes dernières vidéos que Le Pen, quand vous avez vu le débat, ça ne peut pas se faire. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Marine Le Pen a fait un pacte avec Poutine, puisque Poutine est un peu dans les serait un peu raciste, etc. C'est pas des conneries pour ceux qui pensent que c'est des conneries ce que j'ai dit. À parler un peu avec Poutine pour peut-être avoir des pourcentages. Mais bon, cela ne fait pas changer les débats français. Donc Macron en train de calmer la guerre en Ukraine, ça n'a rien à voir dans le débat, ce que je veux vous dire. Mais on va dire que les choses racistes, les gens qui sont racistes, ça ne peut pas passer. Donc voilà, le débat entre Poutine et Macron a fait comprendre que Poutine est un peu dans le moment un peu fort et racisme aussi un petit peu. Et puis voilà, je voulais, bon après je me perds aussi un peu moi dans mes mots puisque je ne connais pas trop les informations qui s'est passées entre Poutine et Marine Le Pen, mais je sais qu'il y a eu du dialogue entre les deux. Très peu de dialogue et je suis au courant de ça parce que j'ai eu des échos là il y a ces derniers temps et je suis allé voir un peu les échos et puis voilà, c'est pour ça que je parlais un peu de cette histoire entre Poutine et Marine Le Pen. Mais bon voilà, ce qui fait-il que Le Pen ne passera pas et ne passera pas dans ce temps-là.
et ne passera peut-être jamais. Les racistes, on n'en veut pas en France. Donc voilà, les gens ont voté Macron. Pourquoi ? Puisque, tout simplement parce qu'ils veulent pas de division. Les divisions, du racisme et tout ça. Et puis voilà. Quelqu'un qui est au pouvoir, c'est quelqu'un qui sait bien parler. Voilà, qui parle correctement, qui fait son travail correctement, même s'il y a des choses qui sont difficiles. Voilà. Là, on attend le discours de Emmanuel Macron. Mais bon, on va finir la vidéo sur cette belle victoire. Moi, je suis content, ça se passe bien. Voilà, et désolé pour ceux qui sont racistes. Je suis désolé pour vous, voilà, je sais, vous aimez beaucoup Marine Le Pen. Mais bon, peut-être qu'elle passera un jour. J'espère que je serai mort le jour qu'elle va passer, en tout cas. Puisque voilà. Vous allez me dire, je parle trop, tout ça, mais je suis content, il faut bien être content. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. À tous.